Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle interview de président Humaniza. On va recueillir le témoignage de Jules Stinco qui était président en 2012 et qui est parti avec sa promotion au Bénin pour y construire une école primaire. Bonjour Jules, en deux mots, est-ce que tu peux nous présenter ton projet ? Alors, nous, avec la promotion 2012 d'Elisabeth Épée, on est parti au Bénin pour la construction d'une école élémentaire de 4 classes. L'association, à l'époque, s'appelait ISARAC. Elle regroupait donc 43 étudiants de la promo 2012 dans ce projet. On est parti en collaboration avec une association béninoise qui s'appelait Urgence Afrique et qui donc nous a relayé le besoin de cette école à Atoué. Pour vos informations, Atoué se situe dans le sud du Bénin, autour du lac de Bopa. D'accord, très bien. Et est-ce que tu as aujourd'hui des nouvelles du bâtiment que vous avez construit tous ensemble ? Est-ce que tu sais si quelqu'un de ta promotion est retourné sur place ou pas ? Alors, de notre promotion, non. Personne n'est retourné sur place, à ma connaissance. En revanche, il y a eu un projet humanitaire au Bénin il y a pas longtemps, il y a 2 ans, il me semble. Et au cours de ce projet humanitaire, Monsieur Joie, notamment, et d'autres professeurs sont allés donc à Atoué pour revoir un peu l'état de l'école. Et on a donc fait procéder à quelques petites réparations sur l'école, du complément de matériel, la réfection du toit en chaume que l'on avait fait. Voilà, donc l'école est toujours fonctionnelle aujourd'hui, il y a une directrice, il y a toujours des élèves. Donc voilà, donc ça fonctionne aujourd'hui et on est très content de ça. Bon bah tant mieux, ok. Ça fait quasiment un peu plus de 8 ans maintenant que vous êtes parti sur ce projet humanitaire Humaniza 2012. Le premier souvenir qui te vient à l'esprit quand tu te remémores cette période, c'est lequel ? Le premier souvenir, ça paraît peut-être un peu bête, mais c'est l'inauguration où on avait eu une démonstration de voodoo à l'inauguration. Et c'était vraiment très impressionnant, c'était vraiment un autre monde, une autre culture. Et c'est vraiment super intéressant. Donc moi, j'ai vraiment ce souvenir-là qui me revient de cette inauguration très, très joyeuse avec beaucoup de monde. Et c'était vraiment un beau souvenir. Au contraire, maintenant, si tu dois te remémorer pas ton pire souvenir, mais la plus grosse difficulté, que ce soit sur la période de préparation ou sur la période d'exécution directement au Bénin, ce serait quoi ? Alors, moi, je voudrais dire la plus grosse galère pour nous, ça a été, pour moi en tout cas, ça a été les gens qui ont été malades. Tout au long du projet, il y en a eu quelques petites personnes qui ont été malades. Et ça, c'est vrai que dans le groupe, c'est toujours un peu embêtant quand vous avez quelqu'un qui vit l'aventure un peu moins bien que les autres parce que il est malade. Donc ça, c'est vraiment, si j'avais un mauvais souvenir, ce serait ça. Tout le reste n'est que du positif pour moi. Maintenant, c'est à notre tour, Humaniza 21, de porter le projet humanitaire. Toi qui as l'expérience, tu as été président. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil ? Alors, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est au-delà de la partie construction que vous allez mettre en œuvre, j'en suis sûr, c'est de penser à prendre du temps pour discuter avec les gens, pour échanger avec la population locale, pour s'imprégner de leur culture. Voilà, tout ça, c'est très important. Je pense qu'on l'oublie un peu des fois parce qu'on est très pressé par le temps et par le chantier. Mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger et il faut essayer de trouver des moments de convivialité avec les gens sur place. Entendu, on y pensera. Écoute, merci à toi Jules pour cet échange, ça m'a fait plaisir et on est tous très reconnaissants envers vous les présidents Humaniza pour vos retours. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes derrière nous, donc merci beaucoup. Bon courage à vous et bon courage. Merci beaucoup, salut, ciao. Ciao.